Et si on facilitait vos démarches en ligne? Ah, vous avez l'air intéressé. En vous rendant sur l'un de ces sites, avez-vous déjà remarqué le bouton France Connect? C'est celui-là. Là. France Connect, c'est le pass conçu par l'État pour accéder à de nombreux services avec un seul identifiant et un seul mot de passe que vous choisissez parmi ceux proposés. Vous savez, celui que vous connaissez par cœur. Eh bien, il vous suffit de connaître celui-là. Plus besoin de créer sans cesse de nouveaux comptes. Vos démarches en ligne sont facilitées, sécurisées. Vous êtes détendu. Relax. Plusieurs millions d'utilisateurs l'ont déjà adopté. Alors, vous cliquez? Vous avez besoin d'un exemple concret? Ok. Aujourd'hui, Jeanne veut montrer à Théo, son petit-fils, comment s'inscrire sur les listes électorales de sa ville suite à son déménagement. En arrivant sur la page de connexion, il voit le bouton France Connect. Théo clique dessus. Il découvre qu'avec France Connect, Théo peut se connecter avec un compte qu'il a déjà, même sur ce site qu'il n'a jamais utilisé. Et ça tombe bien, parce que ses identifiants Amélie, il les remplit les yeux fermés. En plus, grâce à France Connect, ses infos personnelles sont pré-remplies automatiquement. Encore du temps de gagner. Tiens, lui fait Théo. Pendant ce temps, tu pourrais vérifier tes points de permis, toi. C'est vrai que la semaine dernière, elle s'est fait flasher au volant. Sur ce site aussi, elle peut se connecter avec France Connect. Jeanne, elle, préfère utiliser son identifiant impots.gouv.fr. C'est celui-là qu'elle connaît par cœur. En quelques clics, elle est reconnue et elle a l'info. Il va falloir songer à lever le pied, Jeanne. Dès maintenant, comme Jeanne et Théo, vous pouvez vous identifier avec France Connect sur des centaines de services en ligne. Par exemple, pour gérer vos impôts, vos papiers, votre retraite, les démarches de votre ville. Et bientôt aussi, plein de nouveaux services, comme votre banque ou votre mutuelle. Et bien d'autres encore. France Connect, simplifiez-vous la vie en ligne.